Donc Paulette est toujours là. Paulette œuvre discrètement au fond de ma panière. Bon bah c'est là que je vais mettre le truc puisqu'apparemment elle revient là. Mais par contre je touche pas à ses affaires. Alors lumière. Je viens de dégoter la planque à Paulette. Partout. Alors Paulette elle est juste là, je viens de la voir. Comme ça fait longtemps que j'ai pas pris une douche dans ma baignoire, évidemment c'était une très bonne planque. Là, elle est là, je la vois, elle court dedans en large, elle a peur que je la chope. Il faut que je trouve une solution pour la prendre là. Putain aidez-moi, je sais pas comment l'attraper, elle est juste là, je la vois quoi. Paulette s'il te plaît. S'il te plaît, Paulette, je veux pas te faire du mal. Comment je peux faire? Putain, j'ai pas trop d'idées. Lily Joy te m'aide pas beaucoup. Hein. Alors, attends, on va ouvrir une fenêtre. De toute façon, tiens, ça, on va ouvrir ça. De toute façon, parce que si tu fais, elle avait la bonne idée de se barrer. Vers l'extérieur. Non, toi tu restes ici. Toi tu restes ici, Lily Joy, j'ai pas envie que tu te barres. Ouais, Turtle elle voit rien, mais vous imaginez. Bon, j'attache Lily Joy, Edwin. J'ai pris un gant. L'idéal, ce serait une espèce de bocal ou je sais pas. Un truc dans lequel je pourrais la foutre. C'est sûr et certain. Je sais pas comment faire, mais on va bien y arriver. Elle est là. Mais t'es coincé. Mais t'es coincé là. Tiens, va dans mon pot, s'il te plaît. Va dans mon pot. Allez, va dans mon pot, ma puce, je te vois. Oh, je vous montre Paulette, elle est là. On voit la queue. Paulette, viens ma mignonne, viens. Je veux pas te faire de mal, putain. Ah, Paulette, tu fais chier. Tu fais chier, j'ai pas envie de te faire du mal, t'es con, hein. Moi, j'ai pris un gros gant parce que cette petite bête-là, ont de très bonnes dents. Elle est là-bas. Non, ma bichette. Non, tu descends. Descends. Non, tu restes là. Oh, putain, c'est la guerre à Paulette. Je voudrais juste la foutre dans le pot. Non. La pauvre bestiole. Mon Dieu. Alors déjà, non, si je te mets ça, tu vas pouvoir te barrer. Ah, mais il est là, ton nid, en fait, espèce d'enfoiré. Tu crois que je te vois pas? Eh? Putain, elle est où maintenant? Fais chier. Ah. Alors, j'enlève des objets un par un. Et si elle a disparu, je comprends pas. Putain, si elle est dans ce pot là. Alors, elle est toute terrorisée en même temps, hein. Ça se comprend. Quand elle voit une grosse turtle comme moi arriver, est-ce qu'elle est barrée? Alors elle est là-dessous, c'est obligé. Putain, comment elle a fait son con? Je comprends pas. Elle est là dedans. Oh le bonheur. Elle s'est piégée toute seule dans le sac là. Waouh, c'est trop bien. Ah.
Vas-y, casse-toi. Ouais. Oh putain, elle s'est sauvée. Merci, Paulette, j'ai pas besoin de te tuer. Oh, il fait nuit. Lily Joy. On l'a eu sans la tuer, c'est trop bien, c'est trop bien, on l'a pas tué. Oh putain. Adieu, Paulette. Oh, c'est fini les bonnes bouffes, ma chérie. Oh la vache. Et j'en reviens même pas, je l'ai eu sans la shooter. Oh putain. Ah merci grand univers. Je voulais tellement pas la tuer cette petite bestiole. Bon, j'imagine que la vidéo va être super saccadée. Mais on l'a eu. Petite Joy, on l'a eu. Et c'est le bordel chez nous, du coup on a tout sorti. Oh là là. Je vais pouvoir prendre ma douche maintenant. D'habitude, je me lave souvent à l'évier. Donc c'est vrai que je viens rarement dans la baignoire, en fait. L'hiver, en tout cas. Et du coup, ma Paulette, elle a pu installer son nid peinard. Tranquilo. Tranquilo, bilou. Je te jure. Et bien moi, maintenant, c'est moi que je fais la douche. C'est ma baignoire, quand même. Faut pas déconner, hein. Paulette, alors, coquinette. Bon, mais je sais pas pourquoi ce soir je me suis dit, allez, je me ferai une vraie douche dans ma baignoire. Une envie comme ça, des fois, ça paraît, ça arrive, hein. Ça arrive à des gens très bien même. Tiens, il me manque un anneau. Bah tiens. Hop. Voilà, il ne me manque plus. Choc. Bon ben voilà, plus qu'à mettre de l'eau dans le seau. Ah oui, alors pour ceux qui savent pas, qui viennent d'arriver ou autre, un seau, deux gants de toilette, un petit pichet, et on se la fait à la cowboy. Yes. Paulette, la souris s'éteint. Je t'ai eu. Paulette, la souris s'éteint. Hey, j'ai oublié de prendre ma serviette. Bah tant pis, on va couper la séquence, forcément. Bon allez, salut. T'as de beaux yeux, tu sais. Mais ça va mieux, Newton. Ouais, ça va quand même vachement mieux. Mais ouais, on voit qu'il est encore fatigué, cet œil. Oh, le chien aussi, d'ailleurs, il baille. Il est fatigué, ce chien. Tu es fatigué. Oh, mon chien, ma mère. Tu me donnes un Ferrero. Bien sûr, Newton. N'importe quoi. Un petit rayon de soleil qui fait du bien et me voilà sur la route en solo cette fois. Je pars en direction de Belle-Gouatte parce que c'est un périple qu'on avait prévu avec Coco. Donc là, Coco, elle n'a pas pu partir parce qu'elle a ma moto et tout. Mais moi, j'en ai un peu marre de stagner. Surtout que bah là, on a un rayon de soleil, mais franchement, c'est tourné à gauche sur la départementale 68. C'était pas le cas depuis. Depuis plusieurs jours, et là cette nuit on a eu beaucoup de vent sur le spot où on a dormi, et en fait je me suis endormi à 7h du matin. Donc comme j'avais pas prévu de partir aujourd'hui, ben voilà, c'est fait, me voici sur la route. Voilà, et bien je vais aller à gauche. J'ai été remplir l'eau pour les jours qui viennent, et puis ma foi, je ne sais pas où je dors ce soir, mais tout ce que j'espère, c'est que ça ne sera dans un endroit où il n'y a pas de vent et où je vais pouvoir récupérer, parce que là je suis fatigué du vent, parce qu'en fait, pour être clair, le vent, c'est fatigant, vraiment.
ça va une nuit, deux nuits, la troisième nuit, ça commence à... Puis là, c'est permanent quasi, quoi. Donc, le bus qui se fait pringue-baller, malmener toute la nuit, ça va, quoi. Ça va. Et comme j'ai très, très envie de bouger, parce que bah, Gustave, il m'a dit, j'ai des fourmis dans les pneus, hein, maintenant, hein, ça commence à aller, hein, si on bougeait un peu. J'ai dit, bah ouais, ok, on y va. Donc là, Coco devait venir avec moi aujourd'hui, mais elle a très mal au dos, d'une part. D'autre part, comme Newton et son œil, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je pense que bon, elle me rejoint quand elle veut, en fait. Quand elle s'est rassurée au niveau de Newton et quand son dos ira mieux. Et donc, moi, je vais me balader en attendant. Et je vais l'attendre là où on avait décidé de faire ce périple, à Velbat. Velbat, où je rêve d'aller jouer du hautbois au milieu de la forêt. Ouais, je pense que c'est un endroit inspirant et magique. Bon, faut qu'il fasse beau, que la température s'y prête, évidemment, on verra. Mais j'ai très très envie d'aller jouer là-bas. On y va. Donc voilà. Allez, roule ma poule. J'en ai pour. Ouais, avec Gustave, je pense que j'en ai pour 2 heures. Je vais arriver, il fera nuit quasiment, ou presque. Il fera nuit même, je pense. Je suis pas parti de bonne heure, parce que je suis resté avec les copains, se dire au revoir, boire un petit café. Et Juan, lui, ne peut pas me suivre après, puisqu'il a sa petite. Et que du coup, il reste dans le secteur là-bas pour pouvoir accueillir sa petite et passer du temps avec elle, évidemment. Donc, malheureusement, on ne peut pas emmener Juan avec nous. Fort dommage. Mais bon, c'est ainsi. Une prochaine fois peut-être, on ne sait pas. Et pour le moment, il y a du soleil. Et ça fait du bien, mais du bien. Hein, moi qui ne coupe pas le soleil habituellement. Ben là, ça fait trop du bien, je vous jure. J'en peux plus de voir un ciel gris, des nuages, de la pluie, du vent. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué de ça. Allez, roule ma poule. Alors... Gros changement de paysage, j'ai quitté la mer et me voici à Velbat avec petite rivière en fond de Gustave. C'est beau, non? Même là, un petit peu de soleil. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a la pluie et le soleil en même temps. Bon, au moins il y a du soleil, c'est déjà pas mal. Timide, mais soleil quand même. Restons optimistes. Ben, on est entre averse et éclaircie. Il fait froid, humide. Et on se fait une petite balade avec Lily Joy à Velbat. On n'a pas beaucoup de fenêtres météo pour aller se balader. Donc je prends celle-ci. Donc voilà, c'est là qu'on est. Bon, il y a la route à côté, mais c'est pas très passant. De l'autre côté, bah, il y a un camping normalement l'été, qui ne fonctionne pas l'hiver. Et l'espace camping-car est séparé par la rivière du camping. Ah ouais, il y a une plage. Bienvenue à la plage. C'est un peu tourmenté, hein. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, Lily Joy? Non, pas aujourd'hui, c'est froid. Il fait trop froid, mon cœur. Qu'est-ce qui s'appelle avoir les pieds dans l'eau? Hein? Très sympa, cette petite balade. Thank you.
Yes. Ah, un nouvel arrivant. Deux. Peut-être pas. Ils passent. Ils ne font que passer. Ça va, tu vas sécher, tu vas avoir bien chaud. Mais Geoffroy, il a bossé pendant qu'on n'était pas là, t'as vu? Ça va. C'est tout mouillé. Ah oui, c'est tout mouillé aux abords de cette jolie rivière. Ah oui, tu me donnes les pattes arrière ou pas? Comment ça se passe? T'as pas envie? Elles sont mouillées pourtant, elles sont très mouillées, mais donne. Si, tu les donnes. Si, tu les donnes. Voilà. Une patte. L'autre patte. Mais oui. Comment veux-tu que je te sèche tes guibolles si tu me les donnes pas? Oui, tu peux rester là à sécher dans le fauteuil, t'es bien là. Ouais. Voilà, ça y est. Ah, elle commence à apprécier là. Me voilà en montagne. Eh ouais, c'est les montagnes de Bretagne. Et encore, ce sont les plus hautes, celles-là. Hein. Alors, je sais pas trop comment on y va, mais j'aimerais bien aller au bord de l'eau là-bas. Comment c'est possible. Il semblerait que j'ai trouvé la petite route qui mène là où ce que je veux aller. Bah c'est parti, hein. Là c'est la grande découverte. Hein. Derrière ces grillages, le barrage. Et j'entends les vagues et je les vois passer. Ouais, par-dessus là. Slouch. Incredible. Avec le vent. Ouais, ouais, ça. Ah ouais. Bon, bah c'est un lac artificiel avec des aménagements autour et un barrage EDF là-bas au fond. Voilà, j'espère qu'il va pas déborder parce que Gustave est juste derrière. Ouh. Allez, on y va. Tiens, viens, je te détache. Fais gaffe, hein, il a décidé de faire des grosses vagues le lac. Voilà, vous savez tout. Et voilà, le lac de Saint-Michel. T'as trouvé quelque chose au lac de Saint-Michel, c'est un petit bâton. T'as trouvé un petit bâton et celui-là, tu veux pas le lâcher. Ça fait, je sais pas combien de temps que ça se balade. Allez, viens. Tu veux l'emmener dans Gustave, celui-là? Hein? Tu veux l'emmener dans ton bâton? Tu veux l'emmener dans... Tu veux qu'il aille à Gustave? Ok. Bon, bah alors, on y va. Hein. Et donc, c'est quoi le projet? Tu vas décortiquer ce truc-là dans Gustave, c'est ça? Hein? C'est quoi ton projet avec ce bâton? Hein? Ah ouais, c'est ça. Super. C'est pas autorisé, normalement, ça, mon chéri. Hein. Il s'en fout, comme nous en 40. Que pour vous, gentes dames, les gentes messieurs, les lutins, les corrigans, les fées, la forêt, les arbres.
manger parce qu'il est froid. Et un hautbois, ça peut claquer dans le froid. Donc j'ai pu le jouer que deux fois. Certes, c'était pas la perfectitude. Je vous ferai mieux la prochaine fois, mais là, je sens que le hautbois est froid, 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 et ça, c'est pas bon du tout pour lui. Donc, il va aller à la... au dodo. Au dodo maintenant, hein? Allez. Un petit coup de plume-plume. Bon, c'est vraiment parce que je voulais jouer un petit coup de hautbois à Uelguat, parce que Uelguat, ça veut dire justement hautbois. Voilà. C'est Coco qui m'a dit ça. Elle a trouvé ça, je ne sais plus où, dans un truc touristique, je ne sais pas exactement, sur l'historique de Uelguat. Et donc, ça veut dire hautbois. J'ai dit ça, c'est formidable, parce que c'est justement là que j'avais envie de jouer un petit peu de hautbois pour mes amis, les lutins, les korrigans, les fées, les elfes, tout le petit peuple, quoi. Donc voilà, pour les remercier de m'avoir ressourcé, parce que je suis arrivé ici très fatigué, vraiment très fatigué, par le vent notamment, qu'on a pris sur les falaises là-bas, et au bord des plages, et partout. Et du coup, en très peu de temps, ici, j'ai réussi à me ressourcer, comme quoi la forêt, ça nourrit vraiment, quoi. La forêt, l'eau vive, tout ceci est très nourrissant. Allez, tchuss, je rentre à ma maison, parce qu'il fait un peu humide, là, quand même. Tchuss. 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 Ben oui, mais je rêve, c'est ma coco qui est là. Attends, reste ici, toi. Non mais regarde donc qui c'est qui est là, qui nous a même pas prévenu qu'elle venait. Mais je rêve. Et c'est Newton. Il fait froid, humide. Il y en a un peu ras-le-bol. Il fait beaucoup plus froid que sur les côtes en fait à l'intérieur de la Bretagne. Donc avec Coco, on a décidé qu'on allait bouger aujourd'hui dans le sud. Parti, on va descendre sur le sud Finistère, voir si il y a un petit peu de soleil.